Ok, super les amis, on se retrouve pour cette nouvelle année 2020, premier cours de danse. Et aujourd'hui, on attaque la salsa avec trois nouveaux mouvements pour s'amuser. Alors tout d'abord, je voulais déjà vous souhaiter tous mes meilleurs voeux pour cette année 2020, que vos rêves se réalisent, que vous travaillez pour votre passion, que vous travaillez avec passion surtout, parce que là aujourd'hui, grâce à vous, la chaîne continue à grimper et on arrive à danser ensemble et surtout, je peux commencer à faire de plus en plus de vidéos pour vous. Donc voilà, je voulais vous remercier pour ça et vous souhaiter tout simplement une très bonne année 2020. Allez, là aujourd'hui, comme on a dit, on va voir trois mouvements de danse. On est parti pour des pas de danse en solo. C'est parti pour le cours! Ok, super. Donc là, on est parti. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, on va améliorer notre danse grâce à ces mouvements-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le tap. Alors, le tap, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, on va retirer les temps morts, d'accord? Et on va mettre un tap, tout simple, d'accord? Donc, ce qu'on va faire, imaginez, vous faites un mambo. Regardez, mambo, je vais faire 1, 2, 3, et là, je vais taper. D'accord? Je tape, je peux taper avec la pointe, je peux taper avec le talon. Vous allez voir, ça va déjà nous donner plus de style, on va pouvoir danser sur des rythmes un peu plus rapides. Mais juste, du coup, le quatrième temps qui était mort, eh bien, il devient un peu moins mort, puisque là, il y a un tap. Regardez, si je le fais de côté, donc là, je me mets de côté, et vous voyez, je vais faire 1, 2, 3, et boum, tap. Je mets de côté pour que vous voyez bien. 1, 2, 3, tap. Vous voyez, je l'ai fait avec le talon, je peux le faire avec la pointe si je veux. Ok? Pam, 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 pam. Et 1, 2, 3, 4. Et là, je recule pour faire tout simplement mon cinquième, sixième, septième temps. Et au huitième temps, je tape encore une fois. Et 1, 2, 3, tap, 5, 6, 7, tap. Yes! 1, 3, tap, yes! Boum! Ok, ça va? Vous voyez, je tape au quatrième et au huitième temps. D'accord? Donc, voilà pour notre premier move. Je vous le fais de dos pour que vous puissiez voir. Imaginons, on part en mambo. Je commence avec la jambe gauche. Et 1, 2, 3, tap. 6, 7, tap. 1, 2, 3, tap. 6, 7, tap. Ok, super. Bon, ça va pour ce premier move. On passe tout de suite au deuxième move qu'on va voir ensemble, d'accord? Et ensuite, on passe de toute façon en musique. Donc restez bien à la fin puisque les trois moves qu'on va faire, on va les voir ensuite en musique. Ok? Donc là c'est parti. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un mambo encore. On oublie le tap ou vous pouvez le faire pour avoir plus de style. C'est comme vous voulez. On va faire mambo. On va juste en faire 1, 8 et ensuite on va tourner. Regardez bien. Je vais faire un mambo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma jambe gauche devant et je vais tourner, d'accord, vers ma droite. Donc, 1, je tourne. 2, je tourne sur la pointe, c'est très bien. Je tourne, vous voyez, sur ma pointe droite. Hop, et 3, j'ai fini. Attention, je bascule. Ok? C'était pour bien vous montrer, mais du coup, j'ai basculé. 1, 2, 3. 3, j'ai fait mon tour. D'accord? Je tourne vite. 3, je fais mon tour. Et ensuite, je reprends mon cinquième temps derrière. D'accord? 5, 6, 7, je suis revenu. Allez, on récapitule. Un mambo normal. Ok, je tourne. Bon. Et je finis. Super. 3. Bam, bam, bam. Je tourne. Boum, boum. Boum, bam, bam. Ok, super. Donc, on a vu le tap. Vous avez vu, j'ai pu le remettre tout simplement le tap après mon troisième temps. Boum, pour relancer tout simplement mon pied. N'hésitez pas à le mettre. Il faut que vous vous habituiez pour avoir justement plus de style. Après, pom pom pom, on n'est pas obligé de le mettre. Hein. Ça. Bam bam bam, pour bien le faire, d'accord? Je vous le fais une fois de côté et après une fois de dos. Allez, c'est parti. Mambo. Bam bam bam, je tourne. Ok, super. Et pam pam. Et mambo. Attention, ça tourne. Pom, super. Voilà pour notre deuxième move. Ok, super. Bon, jusque-là, je pense que ça a été. On va voir tout de suite un troisième move pour s'éclater en dansant. Alors, c'est parti. Troisième move que j'ai prévu pour vous, c'est un peu plus compliqué. C'est pam pam quelques mouvements de shine. D'accord? On va faire du. Alors, on va faire du ce qu'on appelle touch touch step. D'accord? Donc, c'est simple. Je repars toujours avec une base de mambo et 1, 2, 3 et 5, 6, 7. Ok! Une fois qu'on arrive là, au lieu de faire notre pas de mambo, on va mettre la pointe. Donc, pointe croisant. D'accord? Je croise.
D'accord? Devant ma jambe droite et je mets une pointe. Et ensuite, je la mets, ma pointe, sur le côté gauche, d'accord? Et ensuite, je reviens devant, d'accord? Légèrement devant. Donc, touch, touch, step, ok? Et j'effectue la même chose de l'autre côté. Une fois que j'ai fait ça, pam, 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 et j'effectue la même chose de l'autre côté. Donc, cette fois, c'est ma jambe droite qui croise et je touch ensuite vers ma droite et ensuite je reviens. Cette fois, je reviens pour pouvoir finir mon mouvement. Je le fais doucement. Ok, donc là, je le fais en mouvement doucement. Regardez bien, un petit pas de mambo. Et là, touch, touch, step. Touch, touch, step. Et je reviens en mambo. Ok, je refais une fois. Touch, touch, step. Touch, touch, step. Ok, super. Une fois de côté et une fois de dos. Pam, pam, pam. Et pam, et touch, touch, step, et touch, touch, step, et pam, 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 ok. Pam, pam, pam. Ok, super. Allez, on le fait une fois de dos. Donc, je fais une fois de dos. Pour vous, c'est peut-être plus facile. Attention, c'est parti, mambo. Et 4, 5, 6, et touch, touch, step, et touch, touch, step, et pam, 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 et touch, touch, step, touch, step, et pam. Ok, super! Voilà pour le cours de danse. On passe tout de suite en musique. Ok, super! On enchaîne en musique. On enchaîne les trois mouvements. D'accord? On fera à chaque fois 2-8. On fera à chaque fois plutôt 4-8. Et ensuite, on enchaîne les mouvements. Allez, c'est parti! Donc, on commence avec les tapes. C'est parti! Tape! Encore, ok, encore une fois, attention mambo normal, et on va tourner, bam, bam, ok, mambo normal, mambo normal, et mambo en tour, ok, allez encore deux fois, et mambo en tour, mais, ok, et ça tourne. Ok, attention mambo et step, step, touch, step, step, touch, mambo, tap, tap, bam, et touch, touch, bam, et step, bam, bam, et bam, ok, encore une fois et bam, 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 super, ok. On passe de dos. Allez, faites-le avec moi. C'est parti. Tap. Tap. Ok. Bam, bam, bam. Bam, bam. Ok. Allez, mambo. Normal. Mambo, normal. Mambo, ça tourne. Mambo. Attention, ça tourne. Tum, tum, tum. Et mambo normal. Mambo, ça tourne. Allez, encore une fois. Attention. Et ça. Et mambo normal. Attention. Et ta, 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 ta. Ok. Mais il y a une guerre de quoi? Ok, super pour le cours. Voilà, on a dansé ensemble. Voilà pour notre premier cours de danse. On se retrouve du coup pour d'autres tutos. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonner ici et sur la petite cloche pour recevoir les toutes nouvelles notifications de 2020. On se retrouve pour d'autres pas de danse et encore plus de chorégraphie. À bientôt, j'espère que vous avez bien dansé. Allez, à plus!